Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 29 janvier, voici le sommaire de votre édition. Le petit déjeuner livré à leur porte par des étudiants. Tagazor, une application pratique pour aider les commerçants. L'écomusée de Noyelles-Soulan se risque de ne pas réouvrir faute de financement. Les collégiens bilisiens s'évadent virtuellement. Notre coup de loupe du jour vous invite à donner. Mais tout de suite, notre territoire créateur d'innovation numérique au Louvre-Lens-Vallée. Une nouvelle promotion d'entrepreneurs au Louvre-Lens-Vallée. Sélectionnés l'année dernière, 10 nouveaux projets ont intégré la structure. Alors nous, traditionnellement, et encore pour cette promotion, on est sur les sujets qui sont liés au numérique et au culturel. Il faut vraiment que les projets aient une dimension innovante. Alors ça peut être une innovation technologique, mais ça peut aussi être une innovation d'usage. Et après, plutôt des projets qui sont autour du domaine de la culture, mais pas que. Hein, s'il y a une innovation technologique, c'est pas culturel, on peut aussi retenir ce genre de projet. De beaux projets qui vont réduire les fractures numériques de notre territoire, comme le rappelle Daniel Kruska, maire de Loison-sous-Lens et vice-président de l'agglomération Lens-Liévin, chargé de l'ambition numérique. Mais aujourd'hui, cette possibilité technique qu'offre le numérique, dans le contexte que l'on connaît, est évidemment à prendre en considération et à développer dans les meilleures conditions possibles. C'est quelque chose, cette lutte contre l'électronisme est vraiment notre bâton de maréchal et faire en sorte que nous puissions tous ensemble non seulement se rassembler mais aussi s'approprier effectivement cette dimension numérique. Une dimension numérique d'usage ou culturel, à l'instar de Gigascope, un procédé de prise de vue entre microscope et télescope. Gigascope, c'est une société qui est dédiée à la sauvegarde et mise en valeur du patrimoine grâce à un dispositif qui permet d'en capter les moindres détails, d'en faire des photos de plusieurs milliards de pixels. Par exemple, ici, vous avez les Invalides. Et grâce à ce système, il est possible d'aller voir, comme vous pouvez le voir, vraiment tous les petits détails, le travail des artisans qui ont travaillé sur ce patrimoine, donc à la fois pour le découvrir, mais aussi pour préparer des travaux de restauration. Hein. Par exemple ici, on peut voir qu'on voit très bien l'état des feuilles d'or sur le bâtiment, donc typiquement là, ça permettrait de faire un inventaire, de voir, de quantifier les travaux, etc. en amont. Donc c'est vraiment, le but c'est vraiment que ça serve à la fois pour découvrir ce patrimoine, mais aussi pour continuer à le préserver, l'entretenir et le sauvegarder. Autre projet retenu par Louvre-Lens-Vallée, Leviosa. Créé par un fan d'Harry Potter, il propose des prestations par drone. Alors, Leviosa, qu'est-ce que c'est exactement? C'est d'offrir aux professionnels en fait, des prestations techniques par drone. Alors que ce soit de la cartographie, plus pour le bâtiment, pour les chantiers, pouvoir créer des modèles 3D et 2D de bâtiments, de carrières, des calculs de cubature ou des calculs de distance directement par drone. Qui est une solution évidemment beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise, beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus économique évidemment. Voilà, je pense qu'on a une belle promotion assez variée en termes de profil de projet, en termes de profil de porteur de projet. Et à mon avis, il y aura de belles complémentarités qui vont se créer. Ça fait 70 petits pains et 70 croissants. Au petit matin le dimanche, Valentin, étudiant en management, commence sa distribution de viennoiserie dans l'agglomération Lens-Liévin. Derrière son volant, il parcourt quelques communes pour honorer les commandes dans le cadre d'un projet scolaire. On a une matière qui s'appelle Foreign Challenge cette année. Et en fait, l'objectif, c'est de toute l'année récolter des fonds. Donc en faisant... en rendant quelques services qui vont nous donner de l'argent. Emballage de cadeaux, lavage de voitures, mais aussi un partenariat avec une boulangerie qui permet à ce jeune originaire de Saint-Goël de sillonner le territoire ce matin. Le but, réunir assez d'argent pour faire partir son groupe à l'étranger afin d'aider de manière bénévole une association. De base, on voulait partir en Guadeloupe, sauf qu'avec la crise sanitaire, quand il y a eu le deuxième confinement, on s'est rendu compte que ça serait pas possible. Là, on va essayer au final de partir au Portugal, à Porto, je pense, ou à Lisbonne, si on trouve pas d'association à Porto. Et en tout, ça irait pour 800 euros à peu près, je pense, pour tout le monde, quoi. Pour l'heure, ils n'ont récolté que 300 euros, mais avec la distribution matinale, 70 euros viendront s'ajouter à leur cagnotte.
et ils ont été victimes de leur succès. Bonjour. On a mis une publication sur Facebook le lundi soir et le mardi matin, tout était déjà complet. Preuve que les amoureux de pains au chocolat et croissants ont grandement soutenu leur projet. Moi aussi j'ai été étudiant et donc quand j'ai vu le projet de Valentin, j'ai tout de suite été un peu impliqué. Donc c'est pour ça que je voulais le soutenir aussi avec cette démarche. Donc je trouve cette démarche assez sympathique. Je trouve ça hyper sympa en plus de cette livraison. J'en ai parlé à mamie et c'est dommage, c'est pour ça qu'on t'avait demandé si mamie elle aurait été friande aussi de recevoir ces viennoiseries le dimanche matin. Que mamie ne s'inquiète pas, Valentin et ses camarades devraient continuer les week-ends suivants à distribuer ces douceurs matinales à Aix-Noulette, Bouvigny-Boyeuf ou encore Bully-les-Mines. Les commandes se feront toujours sur les réseaux sociaux, à moins qu'un nouveau confinement ne soit prononcé d'ici là. Dans un contexte sanitaire et économique difficile depuis près d'un an, les commerces de proximité du bassin minier peinent à attirer une clientèle de plus en plus absente. MetaGazer, une application gratuite créée initialement à Lens, permet de lier vendeurs et consommateurs. Le principe de l'appli, c'est que les consommateurs en fait, prennent des photos des articles qu'ils ont achetés dans une boutique qui est sur l'appli et ils gagnent une réduction pour la recommandation effectuée. Lancé en 2019 par Ali et Mehdi, deux frères originaires de Lens, l'application rassemble une quinzaine de commerces de la commune, ainsi que d'autres à Liévin, Arnes ou encore Arras. Vous avez un fil d'actualité avec toutes les photos. Là, ce que vous voyez, les photos, c'est les photos des clients que les clients ont postées sur l'application, du coup, pour toutes les boutiques. Elena a pris sa photo, elle a renseigné son commentaire, le prix de son achat, la boutique où elle a acheté son article et aussi les personnes qui ont déjà recommandé cette boutique. Donc si je clique sur les gazelles, je fais découvrir et là j'ai accès à la page de profil de la boutique, donc des gazelles qui se trouvent à Lens. On peut retrouver dans l'application par exemple la bijouterie Grenadine, le magasin de vêtements Style Addict ou encore le salon de coiffure Isaléniel qui n'hésite pas à signaler l'application en vitrine. Pour les commerçants, il y en a trois davantage. Le premier, c'est de gagner du temps parce que c'est les clients qui font leurs recommandations et eux n'ont plus de photos à prendre. C'est la simplicité d'utilisation parce qu'on a une ergonomie sur l'application qui est ultra facile pour valider les photos et attribuer les réductions. Et une dimension communication en mode bouche à oreille pour les commerces qui est la meilleure de publicité pour eux en fait. Des réductions pour les clients, plus de 14 000 téléchargements en un an et bientôt de nouveaux commerces partenaires de TagGazer. Une belle histoire digitale et locale qui devrait encore s'étendre sur le territoire national. L'équipe de Télégoël y avait réalisé quelques programmes divertissants. Alors ça s'écrit comme ça, et puis dire, bah, c'est vrai, on dit tout dit, c'est Bertolt Ducasse. L'écomusée de Noyelles-sous-Lens, ouvert depuis 2008, retrace l'histoire de la commune et de la vie d'avant dans le bassin minier. De nombreux objets collectés grâce à des dons chaque année sont venus enrichir les 9 salles de cette ancienne ferme. Michel et Benoni en sont ses précieux conservateurs. Ça, c'est l'époque de l'aluminium. D'où l'appellation des marques. Regarde ce qui est marqué là-dessus. La marque, c'était Cocotte Minute. Problème, depuis novembre, le musée ne peut plus accueillir le public. En cause, non pas la situation sanitaire, mais des carences au niveau de la sécurité. Absence d'accès handicapé, ouverture des portes vers l'intérieur et non vers l'extérieur, ou encore vétusté de l'installation électrique. En réalité, ce genre d'interrupteur n'est plus normalisé aujourd'hui. On est dans les locaux donc recevant du public. Il faut mettre des matériels normalisés aujourd'hui. Les bénévoles de l'association qui gère le site ont bien du mal seuls à remettre le bâtiment aux normes. Soit monsieur le maire revient sur sa décision, trouve des subventions parce que ce n'est pas nous à les trouver, et fait un minimum de travaux pour la réouverture. Néanmoins, on peut l'aider à trouver des financements. Soit là, ce sera de restituer aux généreux donateurs et prêteurs leur matériel. Mais tout a un prix. D'après les bénévoles, la mise en conformité de l'écomusée pourrait atteindre maximum les 200 000 euros. Le bâtiment appartient à la municipalité qui aurait promis depuis plusieurs années un engagement progressif, si l'on en croit ce courrier. L'avenir du musée reste incertain. Actuellement, le musée est fermé au public et les bénévoles du bureau sont autorisés à les entretenir et surveiller les collections. Alors, nous avons rencontré le maire de Noyelles-sous-Lens, Alain Roger, pour éclaircir la situation.
Il a acté la fermeture du musée après le passage d'une commission de sécurité, mais ce n'est pas la seule raison mise en avant. Pour l'instant, M. le maire ne souhaite pas faire les travaux de mise aux normes qui, prétextant un coût exorbitant, alors que c'est très faux, hein, il y en a pour 100 000, 200 000 euros. 100 000, 200 000 euros, c'est pas exorbitant. Il parle de 3,2 millions qui viennent d'être faits pour le stade. C'est pas 3,2 millions, c'est 3,6 millions. Quand on compte toutes les associations qui vont l'utiliser, quand on compte également les scolaires qui vont l'utiliser, c'est à peu près 1000 personnes qu'il y a par semaine au niveau du nouveau complexe Galet. Par contre, au niveau de l'écomusée, je ne suis même pas sûr qu'ils attirent 50 personnes par mois dans leur écomusée. Bon, au niveau du coût des travaux, oui, c'est exact, c'est à peu près entre 150 000 et 200 000 euros. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bon, c'est un bâtiment qui est vétuste, un bâtiment qu'il faut remettre aux normes, mais surtout, quelle est la pérennité derrière ? Hein, comme vous pouvez le voir, bon, ce sont des personnes qui ont quand même un certain âge. Ce sont des personnes qui se dévouent pour cet écomusée. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais je vous dis, voilà quelle est la pérennité. Les bénévoles de l'association tenteront peut-être à l'avenir de s'associer à une autre commune afin de déménager et d'exposer ses collections dans un autre site. L'appel est lancé, mais en attendant, la porte de l'écomusée reste malheureusement fermée. Je vois des pierres, une montgolfière. Plongé dans la réalité virtuelle pour les élèves du collège David Marcel de Billy-Montigny. C'était ce vendredi après-midi auprès des classes SECPA de 5e, 4e et 3e. Le service de prévention spécialisé d'avenir des cités qui œuvre dans l'aide sociale à l'enfance, encadrer l'activité. Appuyez sur le gris gauche. Depuis le confinement, on a réalisé que certains jeunes, avec le confinement, ils ne sortaient plus de chez eux. Ils n'ont plus accès aux activités. Donc à travers le casque de réalité virtuelle, ça leur permet de rompre avec cet isolement, découvrir un monde. Ils peuvent jouer au bowling, ils peuvent faire de la boxe, du golf, du baseball. Donc on est en train d'apprendre à utiliser ses mains virtuellement, donc à attraper des objets, à lancer des avions. Dans l'autre classe, ce sont les jeux de société qui ont diverti les jeunes ados. Une activité ludique avec de nombreux buts. On leur apprendre l'entraide, du coup, vu qu'il y a certains jeux où c'est de l'entraide. Après, c'est beaucoup aussi la communication et les faire patienter qu'ils ne soient pas assez dissipés durant l'attente. Car ils sont pressés de tester le casque immersif. Mais en attendant, ils apprennent le mode collaboratif de ce célèbre jeu de cartes. Les règles du jeu, c'est très simple, il faut avoir 1000 points pour gagner. Et là, c'est parti en 2 contre 2. Du coup, je vais jouer 50. Et après, je peux. Bon, puis j'ai une meilleure carte. Retour dans les mondes virtuels, avec Clément qui teste pour la première fois cette technologie. Là, il y a un truc qui me suit, là. Ah non, c'est pas ça. Ah bah là, c'est la meilleure récréation que je passe de ma vie. Hein. Alors c'était comment ? Extraordinaire. Ah, on se croit dans Futuroscope. J'étais avec un animal, je sais pas trop comment, et je dansais avec lui et tout, c'était trop cool. Non, pour un cours classique, j'imagine que ça te change. Ça c'est pas l'école, moi j'étais pas dans l'école là. Ah non, là j'étais parti loin. Ah là, j'étais dans l'espace. Hein. Un espace pédagogique riche d'aventures et d'évasion. Les éducateurs d'Avenir des Cités prévoient encore de nouvelles animations au sein du collège les prochains vendredis pour le bien des enfants. Mais je vais exploser. Prends la ficelle. Ah, c'est bon. Et tire. Et lâche la fusée. C'est tellement beau. Ce matin, Catherine, habitante de Vingles, vient déposer quelques objets dans la boîte à dons du service jeunesse. Depuis quelques semaines, c'est devenu une habitude. Alors j'ai déposé des rideaux, des coques de téléphone, des bibelots. Plutôt que jeter, ou comme en plus il n'y a plus de brocante, il n'y a plus rien du tout, autant faire plaisir et ça tisse le lien, on voit des gens et on sait que ça va faire plaisir. Et je suis déjà venue, hein, j'ai déjà récupéré de la vaisselle. C'est vraiment bien parce qu'il y a un peu de tout. Et la dernière, je suis tombée sur un coffret naissance, même pas ouvert, rien du tout. C'est vraiment intéressant. Une idée mise en place en décembre dernier, réalisée par les jeunes du centre, avec l'aide de la commune.
Il y a eu une vingtaine en fait de jeunes qui ont participé au projet sur des petits ateliers et ça leur a complètement plu, ils ont vraiment adhéré totalement à l'idée et puis tout ce qui est manuel leur plaît beaucoup et le concept était pour eux très intéressant. Parmi ces jeunes, Maxence, 13 ans, il a tout de suite adhéré au projet. On l'a fabriqué avec des matériaux recyclés. Par exemple, on avait des palettes, on enlevait les lattes qui étaient dessus. On a fait le fond. Il y a un agent du service technique qui nous a aidés pour scier. On a tapé au marteau et tout. On a mis des clous, on a vissé. Une initiative qui remporte un franc succès chez les jeunes, mais également auprès des habitants, à tel point que la mairie a dû prêter un chalet de Noël pour stocker les nombreux objets. Concrètement, les gens ramènent ce qu'ils veulent, s'ils veulent, prennent ce qu'ils veulent, s'ils veulent, ou les deux. Alors on peut retrouver de la vaisselle, des DVD, des objets de décoration de la maison. On a eu beaucoup de jouets dernièrement. Je pense qu'avec les fêtes de Noël, du coup, les gens se sont un petit peu débarrassés pour faire place aux nouveaux jouets. Il faut savoir qu'il y a un prototype donc, qui a été créé par les jeunes. J'ai dû demander à la mairie de pouvoir me proposer quelque chose d'un petit peu plus grand parce que ça a pris des proportions. Voilà, on a fait de la pub sur les réseaux sociaux et ça marche bien. Donc la mairie m'a prêté un chalet. Aujourd'hui, pour l'instant, tout se trouve dans le chalet. La boîte à dons a vocation d'être installée prochainement dans le quartier Politique Ville pour favoriser les échanges entre habitants.